8h41. C'est le meilleur et il est chaque matin sur Europe 1. Voici Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Laurent Delahousse qui est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour, bonjour les filles, salut les autres. Jean-Pierre Elkabbach, notre globe-trotteur journaliste, est de retour lui aussi. Mm-hmm. Ouais, je suis de retour terre. Hein. Vous avez entendu mon interview exclusive de Hassan Rouhani. Ce que je retiens, si vous permettez, Laurent, chers auditeurs, ce que je retiens, c'est la vétusté. Oui, la vétusté de son palais, la vétusté de ses idées, Hassan Rouhani, mais surtout le palais. Le palais. Ah oui, la chambre très moyenne, petit déjeuner, pas de bacon. Le jacuzzi en panne. J'ai voulu prendre rendez-vous au spa, nul. J'ai voulu me faire épiler pectoraux, impossible de prendre un rendez-vous. Je vais les défoncer sur TripAdvisor. Ça vaut à peine une étoile et demie. Voilà, c'était Jean-Pierre Elkabbach pour le guide du retard. C'est pas la mamouille, hein. C'est exactement. Ouais, je vois que tu connais aussi. Fallait pas citer le mot, mais c'est pas grave. Allez. Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, James Bond a souvent changé de comédien et donc de physique. On parle même d'un éventuel futur James Bond noir. Nadine Morano, bonjour. Mais Madame Julie... Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est n'importe quoi. Mais tout le monde le sait, autour de cette table, James Bond a toujours été de race blanche. Hein, c'est James Bond, c'est pas James Black ou James Bamboula. Oh, arrêtez maintenant. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais alors qu'on me crucifie. Oh. Écoute, pourquoi il serait pas noir un jour d'ailleurs? C'est un agent secret britannique et figurez-vous qu'il y a des Britanniques noirs, Madame Morano. Non, mais non, les détectives, écoutez, allons, les détectives ont toujours été de race blanche, hein. Regarde, Maigret, blanc, Sherlock Holmes, blanc, oui, mais bon, oui, d'accord. Magnum, blanc, hein, il y a... Oui, oui, le Magnum chocolat noir, mais ça n'a... Non. Mais Monsieur Soto mangeait des bananes, arrêtez avec ça. Ne vous mêlez pas de ce débat. Les agents secrets sont blancs, hein, et ils arrêtent des noirs, voilà. Oh là ça, là. C'est clair, c'est limpide, c'est simple. Parce que si on commence à avoir un noir qui arrête un noir, le public ne va rien comprendre aux histoires. Bon, donc un James Bond noir, mais pour voilà. Vous, hein, c'est non pour vous, hein, James non, Bond noir. Non, c'est non, voilà. C'est... Bon, bien sûr, sauf... Pour les diamants sont éternels, là, les limites, on peut avoir un Bokassa, c'est pas mal. Hein, oui, c'est une vanne des années 70, tout le monde ne comprend pas mon humour. Eh bien, si mon humour n'est pas bon, mais qu'on me crucifie. Allez, au revoir Nadine Morano. Notre ministre du Travail n'a pas su combien de fois on pouvait renouveler un CDD. C'est quand même un peu inquiétant, monsieur Hollande, non? Même Julie, je ne demande pas à mes ministres. Vous voyez, quand je commence comme ça, oui, je sais que je veux dire quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours que je dis quelque chose d'important. Vous pouvez peut-être aller un peu Julie, plus vite, non? Je ne demande pas à mes ministres d'être compétents, car je me fixe des objectifs toujours réalisables. Mais je demande juste aux incompétents, aux ministres incompétents, de ne pas le montrer. Oh là là, c'est terrible. Écoutez, je comprends qu'on peut tout à fait être nul en politique, mais je leur demande juste de ne pas faire ostentation de leur nullité. Maintenant, mes ministres ont chaque fois l'impression, lorsqu'ils sont en face de Jean Boudin, de passer l'oral du bac. Oui. Et le problème est là, l'oral du bac. Mmh. Parce que la réalité, vous la connaissez, c'est que j'ai deux ou trois ministres qui ont le niveau BEP. Alors forcément, à un moment donné, on parle de grand écart, ça coince. Eh ben voilà. Voilà. Merci, monsieur Hollande. Et puis, il tenait à vous dire un petit mot, Emmanuel Macron, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, bonjour, Emmanuel. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire au ministre de l'économie? Eh bien, je voulais lui dire... Emmanuel, vous aimez, chacun le sait, l'entreprise. Vous êtes pour le travail le dimanche. Vous aimez le MEDEF. Vous aimez les beaux costumes. Vous ne pouvez pas encadrer Martine Aubry. Mais Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fous chez Hollande? Emmanuel. Emmanuel, rejoins le côté obscur de la droite. Emmanuel.
Je suis ton père. Mais quoi, mais quoi, ça va, je le tente. Si, oui, oui. Si j'avais Macron de mon côté, ce serait autre chose qu'avec le grand tout mou de Bruno Le Maire. Hein, eh ben voilà. Merci, M. Sarkozy. Céline Dion prépare un nouvel album avec Jean-Jacques Goldman et avec vous, Francis Cabrel. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher Thomas Soto. Vous avez écrit une chanson pour Céline Dion, donc. Écoutez, Thomas, trop tôt, j'ai paupières lourdes comme des bouteilles de butane. Effectivement, Thomas, je suis allé voir Céline Dion dans sa maison de Miami. En fait, c'est comme chez Morandini, mais en plus petit. Et effectivement, Céline a eu la gentillesse de me demander une chanson. Alors ça s'est passé, je reviens à cette scène, c'était en 2010 qu'elle m'a demandé la chanson. Et dès le printemps 2015, la chanson était prête. C'est une question de temporalité. Ah ouais. Oui. 5 ans seulement pour faire une chanson. D'habitude, je mets 8 ans, mais là... Pour savoir s'adapter au rythme américain, tout va plus vite là-bas. Bon. Merci beaucoup, Francis Cabrel. Nicolas Barré, Nicolas. Oui. Dis donc, oui, voilà, qui est particulièrement monté contre Jean-Marc Ayrault et son amendement sur la CSG. Bah, c'est-à-dire que Thomas, oui. Jean-Marc Ayrault a plombé les deux premières années du quinquennat, notamment en voulant aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. C'est le fameux vieux rêve de fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG. Et je ne parle pas de l'abattement rétroactif avec quote-part décalé sur le retour sur investissement partiel. Non, non. Vous allez rire, Thomas, mais ils vont voter une taxe tout à l'heure qui va annuler la réforme qui entre en vigueur l'an prochain. C'est drôle, non ? Ouais, super. J'ai pas bien compris là. Si tu veux casser la gueule à Jean-Marc Ayrault, vaut mieux que tu le fais chanter avec une sestep en caravane, enculé.